Comment ça, Ludwig? Problème niveau rapport de force. Salut YouTube, pardon. Le rapport de force aurait été équilibré s'il y avait eu trois autres chefs de guerre orques. Là, peut-être on aurait pu discuter d'un équilibre, mais là, bon. Captain Titus, the orcs are running scared. What's happened? The captain dealt with their war boss once and for all. We have a chance now. Bolster your defenses. The demon host will not be so easy to frighten off. Good luck, Titus. All our hopes are with you. Bon, maintenant c'est. Je sais plus si on affronte encore des orques à partir de là ou si c'est que le chaos. Je m'en rappelle plus. De toute façon, ça change pas grand chose. Ils vont tous mourir. Ultramarines, this is Princeps Enoch aboard Titan Invictus. This is Captain Titus. What is the status of the Titan? My crew and I are aboard Invictus, but she's immobilized. You will need to activate our berth's backup generator to release the mooring clamps. Understood. Putain de merde! Putain de merde! Aïe! Comment il me touche? Il crève, charogne. Tiens. Oh non. Oh. Les ennemis volants. Ça y est, ils sont là. C'est ceux que j'avais vraiment, mais vraiment pas envie de voir dans le jeu. Mais vraiment pas. Et ils sont là. Chier. D'accord, d'accord. Alors pourquoi est-ce que la caméra s'est baissée quand la porte s'est ouverte? On ne sait pas. Faut croire que le capitaine Titus était choqué que la porte soit ouverte juste devant lui. Genre, comment? Aïe, 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 aïe. Fuck.
Je m'en rappelais plus qu'il y avait ça. Oh my... Oh... Don't mind if I do. Encore beaucoup là. Mais pourquoi tu... Tu vas me ramasser sur... Ah, ok, il était là. Ah, il y en a un. Réflexe inexistant. Pardon ! Mec, il a même pas eu un aim, il a... Ok. Mourir. Il a l'armure rouge, lui, je rêve pas. Pas noir. Ce qui voudrait dire que c'est un World Eaters ou un World Bearers. Et non pas de la Black Legion. Dans tous les cas, salaud! Enfoiré de traître, meurt. Il mérite que ça. Et les deux compères, hein, toujours aussi inutiles. Ça se demandait comment lui, il a eu le grade de vétéran. Hard work occupies the body and distracts the mind. It is a noble and worthy thing. Mais pourquoi tu bêtes? Il baisse la tête tout seul, très bien. Ah. Douze viewers? Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous. Understood.
Putain. Si je pense, si je savais qu'un vieux jeu comme ça ramenait autant de gens, enfin, j'en ferais plus quoi. Je me mets 4 viewers. Bah moi ma console Twitch machin chouette là au moins il y avait 12 puis 8 la 7. C'est peut-être des bots tu vas me dire. En tous les cas, ça fait plaisir de voir deux chiffres sur le compteur de viewers, même si c'est pas des vrais. Oh non. On va pas chanter ce genre de chanson, j'ai pas envie de me faire strike. Alors je me demande s'ils vont reprendre le même gimmick dans Space Marine 2. Genre, ça commence avec des tyrannides, c'est la merde, on a une prière à l'écran et tout, et puis d'un coup, hop, changement de paradigme, t'as le chaos qui débarque. Je me demande s'ils vont ressortir le même plot twist. On verra. Parce que dans Space Marine 2, il va y avoir des missions annexes à la campagne principale qui se déroulent en même temps que la campagne principale, qu'on peut également faire en coop et qu'on fera avec Vise et Radeus. Hein. Ouais. Mais putain! Parpaing de mes couilles là! Il me bloque! Comment ça, clear out? Que dalle, tu meurs? Ok. Ils servent à rien, sauf pour me chourer mes finish moves. Putain! Au moins, il n'y aura pas ça avec Iradeus et Vise. Enfin, si, il y aura ça avec Iradeus et Vise, mais je pourrais pas rager. Parce que le bot est con, ce sera juste que voilà, ils feront ça pas voilà. Là c'est putain. J'ai vraiment hâte d'y jouer aux deux en coop, n'empêche. Enfin, j'ai vraiment hâte de jouer aux deux tout court. Si depuis ces longs mois je faisais pas assez de teasing à ce niveau-là. Je le redis, j'ai vraiment hâte de jouer à Space Marine 2. Oh, d'ailleurs, c'est vrai, il fallait que je commence à faire du teasing pour un autre happening de la chaîne fin d'année. Donc voilà, je tease. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Meltagun, je m'en tape. Oui, ça je prends. Là, le dégât doit être en... Putain, mais qu'est-ce quoi? Ça va être quoi? Ça va être un impunique de fou? Ça va être un truc? Disons que vu comme t'aimes ce jeu, j'ai hâte qu'il sorte pour voir ce que ça va donner avec Vise et Radeus. Alors, c'est pas tellement que j'aime le jeu. J'aime l'univers du jeu. Donc, de toute façon, dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort dans cet univers, moi, je suis un Yankee, moi. C'est ce que je disais un peu à Vise l'autre jour, hein. Même s'il a totalement raison pour dire qu'il n'y a pas un jeu qui fédère tout le monde...
comme étant la ref de l'univers. Mais voilà, moi je suis un Yankee, moi. Mais ouais. Je le revendique, hein, je veux dire, j'assume le fait que je suis un Yankee et que... Take my money, quoi. Maneuver Invictus close to the topmost gantries. I'm coming aboard. Yes, Captain. Ah, c'est beau de voir un titan qui bouge. My fucking god, bon. Et lui, là, il peut pas m'aider avec ses gros canons, là, putain. Sérieusement. Ça m'étonne que tu n'essaies pas de gratter de l'info sur l'happening de fin d'année sur la chaîne Le Vicar. Ça m'étonne de toi. Parce que tu commencerais à te lasser du contenu. Non, parce que, alors pour le coup, je pense que ça va être bien. Ça va être vraiment bien. Je veux pas faire de l'overhype ou quoi, mais là pour le coup, je pense que ça va être bien. Ça va être dans quel genre, ce fameux jeu de fin d'année? Alors non. J'ai pas parlé de jeu de fin d'année. J'ai parlé d'happening de fin d'année. C'est différent. Et spécifiquement, alors ça va se passer en plusieurs étapes. En fait, il va y avoir un happening spécifique pour un happening sous forme de jeu spécifique pour Halloween. Et ça, franchement, j'ai vraiment hâte d'y être parce que ça va être vraiment bien. Et en plus, va y avoir d'autres jeux qui tournent autour de ce happening, comme dit. Voilà. C'est un gros événement. Comme d'ailleurs, je pense que j'ai jamais fait. Je vais mourir. Hein. C'est officiel. Je meurs. Pourquoi je meurs? Je suis mort. Voilà. Donc tout ça pour dire que il n'y a jamais eu de jusqu'à maintenant il n'y a jamais eu d'événement de cette ampleur sur la chaîne. Voilà. Ça va vraiment être un truc vénère qui va s'étaler sur plusieurs mois avec plusieurs jeux. Il y aura des let's play, il y aura des lives, il y aura tout. En solo ou en coop? Solo. Ce sera exclusivement solo. Enfin, après, il y aura d'autres lives en coop aussi, hein. Faut pas... What the fuck? Protocol suspended. Access authorized. Oh. The abyss is below you, Captain. The abyss is below me. Comment ça? To the attack! C'est super en tout cas.
Ça marche vachement bien ton truc, connard! Faut aller où? Faut faire quoi? Putain, je vais encore mourir, c'est sérieux? Serve the Emperor today. Tomorrow, you may be dead. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire, putain de merde? Non, parce que clairement, j'ai pas le stuff pour me les manger, les autres, là. Ils me font beaucoup trop de dégâts pour que je puisse faire quoi que ce soit. It is feeding energy into the warp gate above. If we are to stop this invasion, the spire must fall. I understand. Oh! J'avais pas vu ça. Et ça c'est pas ça c'est par contre ça, ça change tout ça. Mais tu vas descendre, oui. What the fuck? Where must I bring the power source? Travel across the armature to the starboard side, Captain. I will open a maintenance apps for the volcano cannon. Protocol suspended. Access authorized. The apps is below you, Captain. Non, je suis pas d'accord, je peux pas putain d'y aller sur ta merde. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Mais t'as... Serve the Emperor today. Tomorrow. Putain, il pouvait pas mettre un truc juste avant. Un putain de checkpoint juste quand tu montes sur le... Oh là là. I have a target for you. The orbital spire. Spire? But Captain, it is a masterwork of the machine god. It is feeding energy into the warp gate above. If we are to stop this invasion, the spire must fall. I understand. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne là? Bring the power source. Travel across the armature to the starboard side, Captain. I will open a maintenance apps for the volcano cannon. Protocol suspended. Access authorized. The apps is below you, Captain. Oh putain. Par pitié, arrête de bouger. Tue-le. Non mais... Oh non. Non, 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 non. Ok. C'est où? Leap down to the walkways around the volcano cannon, Captain. Comment ça, leap down? Ah bah oui, évidemment, fallait passer le... Oh putain. Preserve us.
Shutting down all systems. Captain, all systems are overloading. Did it work? Invictus performed admirably, Enoch. The warp gate is closing. Thank the machine god. Shutting down all systems. Bon, par contre, pour en revenir à l'événement de fin d'année sur la chaîne Ludvika, je tiens quand même à préciser une chose, que le setup va être extrêmement compliqué à mettre en place et je n'ai absolument aucune idée de comment ça va rendre. Donc si ça se trouve, ça va être immonde et il n'y aura rien du tout, je ne sais pas. J'espère pas, je pense pas, parce que c'est pas un truc qui a jamais été fait en streaming, bien évidemment, hein. Ça a déjà été fait maintes et maintes fois, donc c'est que c'est possible. Mais est-ce que je vais y arriver? C'est ça la question. Good news on that front. Lieutenant Mira reports that the Liberation Fleet has entered the system. The Inquisition will surely have sent agents with the fleet, Captain. Perhaps we can return the device to them. The Inquisition has already failed to stop its exploitation by Chaos. No one must use the device, the Andros, ever again. Contact Lieutenant Mira and have her divert a Valkyrie here to pick us up. Yes, Captain. I suppose putting a bolt around through that damnable power source is out of the question. Too risky. We could open another warp gate, for all we know. Upon our return to McCrag, I will confide it to the Chapter Master and his librarians. And until then? My most trusted brother will bring it to our strike cruiser and seal it in the armory. Attendez, je reviens, j'entends des bruits bizarres de la fosse au lion derrière, là. Je sais pas. J'entends des bruits bizarres, mais y a rien, y a pas d'activité. Pas compris. Ok. Donc. Pourquoi c'est... Ah! Qu'est-ce qu'il veut, lui? Get this damn thing secured, Sergeant. As quickly as I can. What will you be doing while I run this little errand? There are still thousands of traitors and heretics on this world. I intend to drastically thin their ranks. Lieutenant Mira's Valkyrie is on its way, Captain. Pas bon, si tu entends et que tu vois rien, c'est que ça va être photo comme bêtise potentielle. Mais je sais pas, ils étaient tous les deux couchés, l'un à côté de l'autre. Pas de boue mystique ou de trucs bizarres à proximité, donc je sais pas. Donc soit ils m'ont préparé un sale coup que je verrai que dans plusieurs jours, comme la dernière fois. Soit, je sais pas. Bizarre. Mais de toute façon, avec eux, je me pose plus vraiment de questions. Je ne fais que subir. Hey, salut les gars! Sidonus, get to the landing pad. Aye, Captain. Mais... Ah bah super. Tu vois, eux ils sont lore à curette concernant la résistance qu'ils ont quand tu leur tires en pleine tronche dans leur putain d'armure, hein.
Par contre, moi, là... Mon truc en papier mâché, là... Pitié... Mais t'as... Ma grenade, elle est encore partie dans les oublis, c'est ça? Non mais c'est une blague là par contre. La Groël se TP. What the... Oh mon Dieu, mais... Non mais c'est bon, vous avez pas du tout abusé sur la quantité de modes d'ennemis, de merde, de chiants, de cul là. C'est bon ? Merci. YouTube, merci d'avoir... J'ai envie de dire supporter, mais non, regardez cet épisode, c'est bien, regardez. Merci d'avoir mis les pouces bleus, les abonnements, tout ça. On se retrouve dans le prochain épisode. Tout de suite, salut.